Ma grand-mère, c'est Alice Guy, la première femme cinéaste au monde. Vous ne la connaissez pas? Je ne vous en veux pas. Moi-même, j'ai longtemps cru qu'elle était une grand-mère comme toutes les autres. Une grand-mère avec des cheveux très blancs, de drôles de chapeaux et des mains très douces que j'aimais caresser. Je ne savais pas encore que cette vieille dame fragile avait eu une des vies les plus actives de son époque et un destin exceptionnel. Grand-mère a vu naître le cinéma. Elle a vu l'image s'animer. D'ailleurs, c'est son jeune sourire qui a été ainsi immortalisé au tout début des vues animées. Cinquante ans plus tard, c'est une autre invention, la télé, qui nous rendait son image et sa voix. Et vous ne m'avez pas maquillée, et d'habitude on me maquille, toujours. Mais vous êtes très belle comme ça. Son histoire commence il y a plus d'un siècle en France. Elle est née le 1er juillet 1873 à Saint-Mandé, près de Paris. Et c'est au Chili, où son père, libraire, et sa famille sont installés, qu'elle vivra sa petite enfance. Jusqu'au moment où, après avoir tout perdu au Chili, la famille revient en Europe. À la fin de l'adolescence, alors que son père et son frère sont morts et que ses sœurs se sont mariées, elle se retrouve seule avec sa mère vieillissante, dont elle doit prendre soin. J'ai trouvé autre chose. Moi aussi, j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la médaille. Je ne sais pas si ce sont des diamants ou des grenats. Avec un joli ruban pourpre. Ta grand-maman portait toujours un ruban. Pas celui-là, mais un autre. Peut-être que tu t'en rappelles. Je ne m'en souviens pas. J'ai vu aussi cette photo d'elle. Quand a-t-elle été prise? Oh, elle est si jeune là-dessus. C'était à Paris. J'avais un ami et ça a été, je dois dire, mon premier amour. Mais il avait 75 ans. Quel âge aviez-vous? J'avais 18 ans. Oh, je l'aurais épousé volontiers. J'adorais cette femme. Alors... Il était à ma mère et je crois que la meilleure chose pour Alice, ce serait d'apprendre la scénodactylographie. C'est une chose nouvelle, elle peut être secrétaire dans une maison, etc. Et en effet, j'ai appris assez vite. Et j'avais comme professeur le sténographe de la Chambre des députés. Et il m'avait, je dirais pas... vu à part, mais enfin, il m'aimait bien et il m'a dit la première bonne tasse sera pour vous. Enfin, il m'envoie un mot pour me dire qu'il y avait une très bonne place à la Société de photographie, qui n'était pas à Gaumont à ce moment-là. Je suis arrivée, cœur battant, pour me présenter là dans cette place. Et on m'a dit, ah, c'est dommage, mais M. Richard n'est pas là. Alors, quand la personne qui m'a reçu a vu ma déception, elle m'a dit, mais vous pourriez peut-être voir Gaumont, c'est son fondé de pouvoir. Il n'était pas à ce moment-là le chef de la maison. Il m'a dit, oh, votre recommandation est excellente, mademoiselle, mais la place est importante. J'ai peur que vous soyez bien jeune. Alors, je lui ai dit, oh, mais monsieur, ça me passera. En effet, c'est là, ça vous passera. Ce nouvel emploi qu'elle vient de décrocher la remplit de joie. Elle est jeune et la vie s'ouvre devant elle, pleine de promesses. J'étais à ce moment-là secrétaire de la maison Gaumont et
Doménie, qui, comme vous le savez, est un des précurseurs, est arrivé à la maison présentant un appareil. Et Gaumont, qui était un homme de science, a tout de suite reconnu la valeur de cette invention et il a mis en marche une fabrication. Malheureusement, pendant que nous faisions ces préparatifs, les frères Lumière sont venus nous faire une visite. C'était eux-mêmes des amis de la maison. Et j'étais dans le bureau et par courtoisie, ils m'ont invité eux-mêmes à assister à cette séance. Et nous sommes allés à une société qui était, je crois, la société d'encouragement aux sciences. Et là, nous avons trouvé les Lumière qui avaient tendu un drap et qui tournaient un petit appareil. Et nous avons vu sortir ce que vous connaissez, qui est classique, c'est-à-dire les sorties de leurs ateliers. Nous sommes revenus enthousiasmés de l'invention, mais très déconfits, puisque déjà le cinéma de Méni était en route. Mais enfin, on a continué les essais, on a cherché, et très vite, Gaumont a trouvé un appareil projecteur, car enfin la grande invention c'est la projection, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, on continuait à prendre dans les rues des scènes de rue, des petites choses arrivées en gare, etc. Et moi, j'étais fille de libraire et j'adorais la lecture, j'avais beaucoup lu, j'avais fait un petit peu de théâtre d'amateur et enfin, il me semblait qu'on pouvait faire mieux. Et j'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Il m'a dit, oui, c'est une affaire de jeune fille, en effet. Eh bien, mon Dieu, vous pouvez essayer, mais à une condition, c'est que votre courrier n'en souffre pas. C'était des scénarios que vous écriviez vous-même? Ah oui, c'était même pas des scénarios à ce moment-là, c'était des petites histoires que je fabriquais comme ça, n'est-ce pas? Et quelles étaient ces histoires? La paix aux choux, c'est l'histoire de deux amoureux qui ont envie d'avoir des enfants. Et nous avions mis des choux en carton, et nous avions mis des poupons en bois, sauf un. Et la maman était très inquiète. Les amoureux trouvaient ça derrière le chou, vous voyez, c'était pas terrible, non. J'en ai fait d'autres qui ont eu, parfois, plus de succès que je ne pensais. J'ai fait la Esmeralda, j'ai fait, oh mon Dieu, j'ai la liste de mes films là, je vous en donnerai une si vous voulez. Grand-mère disait qu'ils avaient réussi à vendre 80 copies de son premier film, La Fée aux choux. Son patron, Léon Gaumont, fier du résultat et peut-être content d'économiser un salaire, nomme alors ma grand-mère en charge de toute la production cinématographique de la maison Gaumont, tout en la gardant comme secrétaire et bras droit. Mais à mesure que le temps passe, elle devient de moins en moins secrétaire et de plus en plus cinéaste. À cette époque, ni le nom ni le métier de cinéaste n'existent encore. Qui est-ce? Il est à peine plus âgé qu'elle, il a 9 ans plus qu'elle, et c'est un ingénieur, un visionnaire. Il va voir avant tout le monde le son, l'image coloriée, qui seront d'abord des scènes au pochoir et ensuite un procédé nouveau, le trichrome, le plus grand cinéma du monde, le Gaumont Palace, et enfin un spectacle complet avec les actualités. Alice Guy, que lui apporte-t-elle? Son enthousiasme, son dynamisme. Pour la première fois au monde, un film va être écrit, produit, réalisé par la même personne, et 70 ans avant que n'existe la nouvelle vague, eh bien, avant que le mot n'existe, nous avons du cinéma d'auteur. Elle va utiliser ces procédés que sont la couleur, le son qu'a mis au point Léon Gaumont pour en faire des films qui nous restent aujourd'hui.
Bonjour, dites-moi, Rosine, ma belle voisine. D'où venez-vous tout ce bruit chez vous cette nuit? Vous battiez-vous, ma charmante, étiez-vous souffrante? Je vous entendais gémir, je n'ai pas pu dormir. Au fond, Gaumont est fondé sur un couple, comme sont nés tous les enfants du monde. Lui, l'ingénieur, l'esprit de géométrie, elle, celle qui a lu, celle qui a créé, l'esprit de finesse. Voilà comment on crée une grande société. Voler aux états de thé, nous allons vivre cloquer. Quoi que vous vous apprêtez à me dire des choses cruautés. Voler aux états de thé, puis ajoutant ses pâtés. Maintenant, comme c'est mon vieux, c'est dans ta gueule que vaudra Dieu. De ses vidéoclips avant l'heure, Alice en réalise plus d'une centaine entre 1900 et 1907, soit presque 30 ans avant le parlant From Hollywood, qui arriva seulement à la fin des années 20. Ses nouveautés et ses défis la stimulent énormément. C'est quand même une période difficile pour elle. Elle écrit dans son autobiographie « On m'avait laissé me débrouiller seule dans les difficultés du début, défrichée. Mais l'affaire devenant intéressante, sans doute lucrative, on m'a disputa âprement la direction. Cependant, grâce au président du conseil d'administration, M. Eiffel, qui m'encouragea toujours avec bonté, le conseil d'administration décida de me laisser à la tête du service. Les ingénieurs qui étaient avec moi, qui travaillaient au studio, ont toujours été très gentils. Mais j'avais un directeur des ateliers. Il s'appelait Decaux. Et ça, nous n'étions pas bien ensemble du tout. Tellement peu ensemble, mais ça, je ne désire pas que ce soit publié, je vous dis ça. Quand j'ai fait Ma Passion, qui a été mon plus grand film en France, j'ai fait La Passion et j'avais un décorateur ménessier qui était excellent. Une nuit d'hiver, il faisait très froid, c'est vrai, Decaux est monté dans l'atelier, il a pris tous nos décors faits, il les a fait couper pour chauffer. C'est vous dire à quel point. Son plus grand succès en France est son film sur la vie et la passion du Christ. Film d'une très longue durée pour 1906, 35 minutes. Il comportait 25 décors différents et des centaines de figurants. Il semble avoir fait très grande impression à l'époque. Encore maintenant, certains aspects étonnent. J'ai une véritable passion pour la passion d'Alice Guy. Plusieurs sociétés de production ont d'ailleurs produit leur propre passion, et celle d'Alice Guy se distingue de l'ensemble de cette production, notamment par sa mise en scène. En fait, il faut bien dire que la vie du Christ d'Alice Guy est un véritable miracle. Qu'on prenne par exemple la scène du lavement des pieds du Christ par Marie-Madeleine. L'accent n'est pas mis simplement sur les actions ou l'action principale, mais il y a une série d'actions secondaires qui viennent faire respirer l'image. Qu'on remarque aussi l'éclairage, un éclairage par étagement lui aussi, comme le jeu en profondeur. L'action principale à l'avant-plan est dans une pénombre, alors que l'arrière-champ, derrière les murs, derrière les arcades, est éclairé beaucoup plus fortement. À l'époque du cinéma des premiers temps, on avait souvent recours à un bonimenteur ou conférencier qui, installé au bas de l'écran, commentait de vive voix et en direct les images et ce qui se passait à l'écran. Judas Iscariote vient de vendre Jésus. Il arrive avec une cohorte de soldats déguisés en simples citoyens. Ainsi, ils vont pouvoir s'approcher hypocritement de Jésus. Et La Passion, c'est vous qui l'avez fait? Oui. Parce que je crois qu'il y a une erreur dans l'histoire du cinéma. Oui, on a dit que c'était Jassé qui l'avait fait. Qui était votre assistant? Oui. Grand-mère a été complètement ignorée par la plupart des historiens qui ont traité du début du cinéma. On a souvent parlé de ses œuvres, et parfois de façon très flatteuse. Mais malheureusement, comme c'est le cas pour La Passion, durant des années, on en a donné le crédit à d'autres.
Même des gens qui n'avaient jamais été réalisateurs ont eu à une époque, à leur crédit, une partie de la filmographie d'Aleski. Pendant 11 ans, Alice Guy a été directrice de production chez Gaumont. Elle supervisait la préparation des scénarios, des décors et des costumes. Elle surveillait le travail de tous les cinéastes de la compagnie. De plus, elle était elle-même cinéaste et très souvent scénariste. C'est absolument incroyable qu'un homme, Léon Gaumont, ait confié des responsabilités aussi énormes à une femme 50 ans avant que les femmes aient le droit de vote en France. Une des raisons, c'est qu'il ne savait pas, pas plus que personne, l'importance phénoménale que prendrait le cinéma quelques années plus tard. À mon avis, si son nom est absent de plusieurs histoires du cinéma, c'est dû en partie au fait qu'elle était une femme. Pourtant, c'est elle qui, avec Ferdinand Zecca chez Pathé, a été un des premiers directeurs de production dans un grand studio. C'est elle qui a établi le style de la maison Gaumont, par exemple, en utilisant des décors naturels dans plusieurs de ses films. C'est elle qui a formé les autres cinéastes pionniers chez Gaumont, comme Louis Feuillade. Pour Alice Guy, le cinéma était un processus d'exploration et de découverte. C'est une des figures les plus importantes du cinéma français, et c'est vraiment triste qu'elle soit si peu connue de nos jours. Ma grand-mère, que tous appelaient Mademoiselle Alice, n'avait eu que le cinématographe comme fiancée pendant toutes ces années quand, à 33 ans, elle rencontre le directeur de l'agence Gaumont à Berlin, M. Herbert Blaché-Bolton. Nous avions le parlant, mais vous savez, le parlant, c'était extrêmement délicat parce que c'était les deux, l'appareil et la partie parlante, il fallait les accorder. C'est ça. Il fallait que ça soit absolument synchrone, n'est-ce pas? Et nos clients avaient quelquefois des difficultés. Alors Gaumont était ennuyé, il ne pouvait pas y aller. Il m'a dit, allez-y. Mais j'ai dit, mais je ne parle pas l'allemand, moi je ne connais pas l'Allemagne du tout. Il m'a dit, vous allez prendre Blaché avec vous, et il vous servira de cicérone. Est-ce qui s'est fait, n'est-ce pas? Alors nous avons fait 15 jours, presque 3 semaines de visite parmi les gens pour leur expliquer comment c'était, pour essayer de mettre ça bien en train. Et vous êtes mariée? Nous ne sommes pas mariés à ce moment-là, mais il m'a demandé. Je lui ai dit, écoutez, moi j'ai besoin de réflexion, je n'avais pas très envie de quitter la France. Enfin, j'avais pas très envie d'épouser un Anglais, surtout. Les Anglais sont pas très sympathiques. Alors. Grand-mère avait beau être très ouverte et exceptionnellement avant-gardiste dans son travail, elle restait très victorienne et très 19e siècle dans d'autres domaines. Elle avait notamment certains préjugés assez tenaces qu'elle réussissait heureusement parfois à surmonter. J'ai dit à Gaumont, j'allais me marier, c'est une surprise. Alors il m'a dit, mais moi je vais vous en faire une autre, je vais vous envoyer en Amérique pour représenter le parlant. Parce qu'il avait déjà choisi Blaché pour aller représenter le parlant laid. C'est ça. Alors vous êtes allé habiter? Alors nous sommes allés en Amérique. Alice écrit qu'elle quittait le cœur gros, sa famille, son pays, persuadée qu'elle abandonnait pour toujours son beau métier.
L'Amérique de l'époque ne plut pas tout de suite à ma grand-mère. Elle ne parlait pas la langue, elle n'avait pas d'amis. Et même le cinéma était très différent de ce qu'elle connaissait. Aux États-Unis, raconte-t-elle, c'était encore les kinetoscope parlors qui fleurissaient. Il ne s'agissait pas de projections, mais d'appareils dans lesquels se déroulait un film sans fin et qu'une seule personne à la fois pouvait regarder à travers une lentille grossissante. Gaumont est venu, il a arrangé les choses, il a acheté ce petit studio à Flushing, à Long Island, et il a commencé, il voulait faire du parlant justement, du chant, etc. Et il en a chargé mon mari. Moi, j'ai aidé, mais enfin, je n'étais pas du tout son employé, heureusement, parce que je n'aurais pas pu commencer. Après un court séjour à Cleveland, c'est à Flushing, près de New York, qu'ils s'établissent. Quelques mois plus tard, délaissant la création pour la procréation, grand-mère met au monde son premier enfant, Simone. Après 2 ans dans le rôle d'épouse à la maison et de nouvelle mère, grand-mère s'ennuie du cinéma. Tante Simone a tout juste 2 ans quand elle décide de revenir à la production cinématographique. Le 7 septembre 1910, elle fonde son propre studio, la Solax. Grand-mère aimait les petites dramatiques qui faisaient pleurer Margot, comme Falling Leaves, l'histoire d'une petite fille qui entend le médecin dire à sa mère qu'au moment où les arbres n'auront plus de feuilles, sa sœur sera morte. Espérant sauver la vie de sa sœur, elle va la nuit tenter de rattacher les feuilles aux arbres. Ses premiers films aux États-Unis connaissent un immense succès. Et quand les gens apprennent que la tête dirigeante de la Solax est une femme, grand-mère défraie la manchette. En 1912, elle est la seule femme aux États-Unis à gagner plus de 25 000 $ par an. Et la presse considère qu'elle les mérite bien. Le seul grand avantage qui a privilégié la Solax depuis sa conception a été la connaissance de la technique cinématographique possédée par Madame Blacher et qui a eu pour résultat l'excellence de sa production, tant du point de vue photographique qu'artistique. La figure dominante du monde du cinéma peut un jour être une femme, et cette femme, c'est Madame Alice Blacher. Grand-mère, maintenant riche et célèbre, heureuse, avec un mari qu'elle aime et une enfant qu'elle chérit, a grandi en même temps sa famille et son studio. C'est de mon père Réginald dont elle est enceinte sur cette photo. En 1912, le futur studio, qui se nomme déjà Solax, sera dans ce nouveau site le plus gros studio des États-Unis. Nous avons acheté un terrain à Fort Lee, dans le New Jersey, qui était la grande cité du cinéma à l'époque. Oui, Hollywood n'avait pas encore du tout de développement. Ah non, du tout. Tout se passait près de New York, oui, dans New Jersey. Non, Hollywood était encore une ville où sur les portes, on mettait ni chien ni cinéaste. C'était avant que les restrictions énergétiques dues à la guerre poussent les studios à faire un exode vers l'ouest et à s'installer à Hollywood. Ma grand-mère semble avoir été beaucoup aimée par les gens qui travaillaient avec elle. Elle amenait ses enfants au studio et mangeait avec son équipe. Tout le monde faisait partie d'une même famille.
Elle n'était pas seulement appréciée pour sa gentillesse, mais aussi pour ses talents de meneuse et sa grande compétence en cinéma. Régulièrement, elle partageait ses connaissances techniques acquises à Paris avec ses directeurs photo américains. Elle était une référence dans le milieu cinématographique de l'époque. Les premiers critiques de cinéma ne tarissaient pas d'éloges sur les mérites artistiques d'Alice Guy. Ils louangeaient ses décors, le fait qu'elle tournait en extérieur. Rien ne semblait au-dessus de ses forces. Après tout, elle avait bâti son propre studio. Ce n'était pas grand-chose pour elle de faire creuser des tranchées ou de dresser des animaux sauvages. Il n'y avait aucun défi que cette femme extraordinaire ne pouvait pas relever. Tout semblait lui réussir. Alice Guy Blaché s'évertuait à réaliser des scènes de plus en plus spectaculaires, des cascades de plus en plus difficiles. Elle connaissait ce que le public voulait, ce que les critiques de l'époque appréciaient dans ses films. C'est très difficile pour nous, le public contemporain, de remonter 80 ans en arrière et de comprendre à quel point ces films semblaient raffinés au public d'alors. Il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de cascadeurs à l'époque. Les acteurs, les actrices faisaient eux-mêmes leurs cascades. On demandait aussi à des acrobates de cirque, des casse-coups, de faire des trucs spéciaux dont on avait besoin. La plupart des cinéastes de l'époque utilisaient souvent des modèles réduits. Quand Alice Guy Blaché voulait faire sauter un bateau, elle utilisait un vrai bateau. Elle se moquait du danger et de fait, son mari, Herbert Blaché, a été gravement blessé lors de cette explosion. N'oublions pas que ce qui semble aujourd'hui un cliché n'était pas un cliché à ce moment-là. Ces pionniers découvraient le cinéma. Ils découvraient le potentiel qu'avaient les films. Ce qu'ils ont découvert, nous le prenons aujourd'hui pour acquis. Nous nous en servons tous les jours en tournant nos films. Même le star system a commencé dans les premières années de ce siècle, quand les cinéastes comme Alice Guy Blaché engageaient un groupe d'acteurs qui restaient avec eux. Et peu à peu, leur nom, leur visage devenaient connus et ils devenaient des stars. Oh, j'ai eu des vedettes formidables. J'ai eu Petrova, par exemple. C'était une femme qui avait beaucoup de succès parce qu'elle est fort jolie, elle portait la toilette merveilleusement. C'est une femme de théâtre. Mais alors, c'était une femme... J'ai voulu lui faire une scène de jalousie un jour. Elle m'a dit, moi, madame, je ne fais jamais de scène de jalousie. Quand la jacinthe est finie, c'est moi qui la jette. Une des premières grandes actrices créées par le Star System a été Olga Petrova. Très populaire dès 1915 et dans les années 20, mais complètement oubliée aujourd'hui. Fait presque unique dans l'industrie cinématographique d'alors, elle était féministe. Elle n'acceptait que les rôles de femmes fortes, chirurgiennes, docteurs, intellectuelles. Alice Guy Blaché a dirigé Petrova pour la première fois en 1915 dans La Tigresse. Elles ont ensuite fait 4 autres films ensemble. Ça devait être une collaboration formidable. Je me souviens, au milieu des années 70, quand l'autobiographie d'Alice Guy Blaché est parue, Madame Petrova m'a écrit une lettre fascinante sur ce qu'était le travail avec la réalisatrice. Comme je ne connaissais rien, ni à la mise en scène, ni au metteur en scène, la question du sexe du cinéaste ne m'effleura pas. Si je m'étais posé la question... Je me serais dit qu'un businessman aussi malin que le producteur Weber n'allait pas risquer de miser sur une néophyte comme moi s'il n'était pas sûr de la compétence de Madame Blaché.
Pendant les répétitions et pendant le tournage, elle ne perdait ni sa dignité ni son calme. Elle avait une main de velours, même si elle était capable de poigne si le besoin s'en faisait sentir. Je ne l'ai jamais entendue hurler dans les mégaphones. Elle obtenait des meilleurs résultats en se faisant obéir et respecter de ses artistes. J'ai eu le frère de Capellani qui était au Français et j'avais mis dans mon studio des notes partout. Soyez naturel. C'est tout ce que je leur demandais. Alors il m'a dit, vous avez obtenu ça? Moi j'ai mis 10 ans pour être au naturel au théâtre. Soyez naturel. Ça semble un conseil tellement évident aujourd'hui, mais pour les acteurs et les actrices de cinéma d'alors, c'était loin d'être évident. À cette époque, ils posaient pour la caméra comme on pose pour un photographe. On les filmait en plan large et ils faisaient de la pantomime. Mais en disant à ces acteurs d'être naturels, Alice Guy pouvait s'approcher pour des gros plans. Elle pouvait montrer un mouvement du corps, une expression. Be natural. Soyez naturel. Avec ces deux mots tout simples, Alice Guy Blacher a transformé à jamais la façon de jouer au cinéma. Mamie remplissait son scrapbook d'articles de l'époque, même les critiques négatives. Mais elle faisait plus ou moins confiance aux critiques. Elle préférait se mêler aux spectateurs pour entendre leurs réactions. C'est comme les articles écrits à son sujet. Elle disait qu'elle avait souvent appris des choses très étonnantes sur son passé, sa famille et ses débuts, tirés directement de l'imagination de certains journalistes. Mais elle détestait les faussetés. Et quand il s'agissait de textes écrits, elle corrigeait les erreurs et commentait dans la marge. Si elle était ici, elle aurait sûrement beaucoup à dire sur ce que je raconte. Les universitaires se sont intéressés très tôt à Alice Guy Blacher et ils l'ont invitée à donner des conférences. Comme elle avait été pendant 17 ans la seule femme cinéaste au monde, elle était un peu un objet de curiosité. Alice était en faveur du droit de vote pour les femmes. Dès 1912, elle avait dit aux reporters d'un journal que les femmes étaient prêtes pour ça. Mais ayant été élevée dans la bourgeoisie victorienne, Alice ne pouvait certainement pas être une féministe au sens où on l'entend aujourd'hui. Mais tout dans sa carrière, tout ce qu'elle a fait et dit, affirme que la femme est l'égale de l'homme. En 1914, Alice a écrit dans la revue de cinéma Moving Picture World: j'ai été longtemps étonnée que les femmes n'aient pas saisi l'éventail de possibilités merveilleuses que leur offrait l'art du cinéma pour devenir riches et célèbres en tant que productrices de films. De tous les arts, il n'en est probablement aucun dans lequel elles peuvent utiliser aussi splendidement des talents qui sont tellement plus naturels à la femme qu'à l'homme et si nécessaires à sa perfection. Elle a même fait 2 fables féministes. Malheureusement, aucune ne semble avoir survécu. Mais on peut néanmoins détecter dans certains de ces films qui ont été conservés un point de vue différent sur le monde. On pourrait même dire un point de vue féminin.
C'est pendant la Première Guerre mondiale qu'on voit se dessiner les grands trusts qui commencent à s'emparer de petites compagnies et à influencer tout l'avenir du cinéma américain. Mes grands-parents, croyant probablement tous les deux que grand-père saurait mieux naviguer dans cette période d'âpre rivalité commerciale, font de grands changements dans leur vie. Grand-père quitte Gaumont et fonde une nouvelle compagnie, la Blachet Features. Grand-mère, quant à elle, lui cède peu à peu les rênes du pouvoir. Une anecdote prouve bien pourtant que grand-père n'était pas plus prémuni que sa femme dans cette jungle. Sans consulter grand-mère, il vend pour une bouchée de pain les droits d'un film qu'elle vient de réaliser parce que le distributeur l'a convaincu que le film ne vaut rien. Or, le film en question, The Lure, a été un des plus payants au box-office de l'époque. Grand-mère disait qu'un homme doutait facilement du talent de sa femme. Au milieu des années 10, les films sont de plus en plus longs. Grand-mère réalise alors ce qu'on allait appeler des longs-métrages pour de nombreuses compagnies, la Popular Plays and Players, la U.S. Amusement Corporation, la Perret Pictures. Les grands drames la passionnent toujours, mais elle aime surtout les histoires d'amour qui finissent bien. Pourtant, son histoire d'amour à elle n'allait pas finir aussi bien. Grand-père, touché par le démon du midi, est un beau jour parti pour la Californie avec sa principale interprète. Pendant un moment, elle le rejoint à Hollywood. L'espace de deux films, elle devient son assistante. Mais la rupture semble définitive et sa situation professionnelle et personnelle devient invivable auprès d'un homme qu'elle aime toujours, mais qui est déjà rendu ailleurs. À l'époque où mes grands-parents se séparent, les compagnies indépendantes se font de plus en plus rares aux États-Unis. On leur fait alors des offres intéressantes. Mais n'aimant pas les méthodes des grands trusts qui, selon grand-mère, frôlaient parfois la malhonnêteté et l'intimidation, ils refusent des associations qui auraient pu devenir extrêmement lucratives. De toute façon, le travail commun devient de moins en moins possible et grand-mère, ébranlée par l'échec de son mariage, a du mal à se battre sur d'autres fronts. Ça, c'est le livre de l'encan où sont inscrits des prix qui semblent bien pitoyables aujourd'hui. L'encan de ses biens, quand elle a été obligée de vendre son studio. Lorsqu'à Fort Lee, le studio de mes grands-parents est vendu pour le prix des taxes que les nouveaux locataires ont omis de payer et que tous les biens de ma grand-mère sont vendus à l'encan, c'est toute sa vie qu'elle voit s'envoler en pièces détachées et à prix dérisoire. C'est ça. Vous avez habité Hollywood aussi, vous êtes allé à Los Angeles? Oui. Vers quelle époque? À Hollywood. Oh mon Dieu, quand est-ce que je suis allé à Hollywood? Je me rappelle vraiment pas très bien. Probablement que grand-mère se rappelait très bien de Hollywood. Mais on la comprend d'avoir essayé d'effacer de sa mémoire cette sombre période de sa vie. Après tout, c'est là qu'elle avait perdu son mari, le cinéma et beaucoup d'illusions.
Elle écrit « L'Amérique, dit-on, reprend toujours ce qu'elle vous a donné. Complètement découragée, ruinée, je résolus de rentrer en France avec mes enfants. » Elle s'établit alors chez sa sœur à Nice et essaie à quelques reprises de se réintégrer dans le milieu du cinéma français. Elle n'a que 49 ans, mais il est trop tard. En France, on l'a oubliée. Elle se dévoue alors entièrement à ses enfants. Tante Simone disait qu'elle avait fait des prodiges pour réussir à élever ses deux enfants sans réelle privation. Elle écrit des petits contes pour enfants et plusieurs textes pour les revues de l'époque, qu'elle signe de différents pseudonymes masculins. Ça, c'est une histoire qu'elle a écrite, destinée aux enfants, qui développe le faux mythe que les loups poursuivent les gens en traîneau et qu'il faut leur lancer quelqu'un pour les distraire. Elle continue à signer de son vrai nom seulement les histoires qu'elle destine au cinéma. Malheureusement, ces histoires n'ont jamais trouvé preneur dans cette dure époque de l'entre-deux-guerres en Europe, où on avait peu d'argent pour le cinéma et peu d'espace pour les femmes de carrière. Plus tard, Tante Simone obtient un emploi à l'ambassade américaine et s'occupe à son tour de sa mère. Grand-mère déménage plusieurs fois en Europe, en Belgique, en Suisse, en France, partout où Simone a des postes. Elle se met à rédiger ses mémoires et fait également de nombreuses démarches pour retrouver ses films. Vous avez encore des films que vous avez tournés? Vous en possédez encore? Malheureusement, on n'en retrouve pas. On n'en retrouve pas? On ne retrouve pas de films français. Mes films américains n'ont pas été donnés sous mon nom. Ils sont donnés sous le nom de la société qui les a. Alors, en arrivant, je vais les retrouver, ça j'en suis sûre. À ce moment-là, ma grand-mère a 83 ans. Ni les voyages seuls en avion, ni les balades dans le métro ne lui font peur, surtout si le but du voyage est d'essayer de retracer son passé de cinéaste. Elle fut l'une des plus prolifiques cinéastes des débuts du cinéma. On évalue à près de 700 les films qu'elle aurait réalisés, scénarisés ou produits en France et aux États-Unis. Elle réalisa tout autant des drames que des comédies slapstick, avant Mack Sennett, Charlie Chaplin et Buster Keaton, qui joua d'ailleurs pour la première fois dans un film de grand-père. Elle aimait explorer. Elle toucha presque tous les styles, tous les formats et tous les genres. J'ai fait des cow-boys, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai même appris à lancer le lasso. Après de longues recherches, on a maintenant repéré près d'une cinquantaine de ses films éparpillés un peu partout dans le monde. Malheureusement, grand-mère, elle, ne réussit à retracer aucun des films de sa période américaine et n'en revit que quelques-uns de l'époque Gaumont. Ce qui reste tangible en Amérique, c'est qu'une partie de sa famille y est établie. Son fils, mon père donc, ma mère et moi y vivons. D'ailleurs, grand-mère souffre de cette distance. Elle veut réunir de nouveau la famille.
Malgré de multiples efforts, elle ne réussira pas non plus à faire éditer son autobiographie de son vivant. Elle sera publiée plusieurs années après sa mort. Elle a essayé de la faire éditer pour ce que c'était, c'est-à-dire simplement des souvenirs de la première partie de sa vie, avec quelques esquisses très peu développées de la dernière partie. Elle a tenté de la faire éditer à plusieurs reprises, mais chaque fois, on lui a fermé la porte au nez. Il me semble me souvenir que Tante Simone était fâchée de ça. Oh, ils ont été très cruels. Même si elle avait beaucoup publié dans des revues, elle n'était pas habituée de négocier avec des éditeurs de livres. Plusieurs d'entre eux lui disaient être très intéressés à la publier, puis ils lui demandaient beaucoup d'argent. Pour la publier, ils lui demandaient de l'argent à elle? Tu sais, ça aurait été une publication à compte d'auteur, mais elle était bien trop fière pour ça. Alors elle essayait quelqu'un d'autre, et ça s'est produit plusieurs fois. Et malheureusement, chaque fois, c'était très long. Le petit manège entre l'éditeur qui se disait intéressé et ta pauvre mamie qui attendait dans les coulisses. Monsieur Victor Bashi, qui a récemment écrit un livre sur ma grand-mère, dit que, malgré toutes les difficultés qu'elle avait rencontrées, elle n'était pas amère. Elle ne réclamait qu'un seul titre, celui de première femme cinéaste au monde. Titre incontestable, elle a été la seule femme cinéaste pendant 17 ans, mais qu'elle a dû défendre de nombreuses fois, autant en Europe qu'en Amérique. Grand-mère et tante Simone reviennent définitivement aux États-Unis en 1964. Après quelques attaques, grand-mère meurt dans une maison de santé le 24 mars 1968 à l'âge de 95 ans. Elle, qui avait eu une mémoire extraordinaire jusque-là, allait tout oublier. Sa vie de cinéaste comme son propre nom. Elle rejoignait ainsi l'amnésie collective qui avait entouré sa vie et son œuvre depuis de si nombreuses années. Je voudrais, ayant vécu avec elle toute ma vie, ajouter une note personnelle. Maman était une nature ardente et généreuse, douée d'une énergie et d'une jeunesse exceptionnelles. Un esprit ouvert, toujours curieux de nouveautés scientifiques ou littéraires. Son amour profond de la nature et son enthousiasme pour la vie étaient contagieux. Pour moi, elle fut plus une amie qu'une mère, et je lui dois la majeure partie du bonheur qu'il me reste. Plus rien de ce qu'elle a construit ne subsiste à Fort Lee. Aucun monument ne porte son nom. Seule une toute petite plaque dans ce triste jardin de pierre marque plus qu'humblement son passage sur cette terre.
regardez, la première bonne tasse sera pour vous. Enfin, il m'envoie un mot pour me dire qu'il y avait une très bonne place à la société de photographie, qui n'était pas à Gaumont à ce moment-là. Je suis arrivée, cœur battant, pour me présenter là, dans cette place. Et on m'a dit, ah, c'est dommage, mais M. Richard n'est pas là. Alors, quand la personne qui m'a reçu a vu ma déception, elle m'a dit, mais vous pourriez peut-être voir Gaumont, c'est son fondée de pouvoir. Il n'était pas à ce moment-là le chef de la maison. Il m'a dit, oh, votre recommandation est excellente, mademoiselle, mais la place est importante. J'ai peur que vous soyez bien jeune. Alors, je lui ai dit, oh, mais monsieur, ça me passera. En effet, c'est là, ça vous passera. Ce nouvel emploi qu'elle vient de décrocher la remplit de joie. Elle est jeune et la vie s'ouvre devant elle, pleine de promesses. J'étais à ce moment-là secrétaire de la maison Gaumont et Doménie, qui, comme vous le savez, est un des précurseurs, est arrivé à la maison présentant un appareil. Et Gaumont, qui était un homme de science, a tout de suite reconnu la valeur de cette invention et il a mis en marche une fabrication. Malheureusement, pendant que nous faisions ces préparatifs, les frères Lumière sont venus nous faire une visite. C'était eux-mêmes des amis de la maison. Et j'étais dans le bureau, et par courtoisie, ils m'ont invité eux-mêmes à assister à cette séance. Et nous sommes allés à une société qui était, je crois, la société d'encouragement aux sciences. Et là, nous avons trouvé les Lumière qui avaient tendu un drap et qui tournaient un petit appareil. Et nous avons vu sortir ce que vous connaissez, qui est classique, c'est-à-dire les sorties de leurs ateliers. Nous sommes revenus enthousiasmés de l'invention, mais très déconfits, puisque déjà le cinéma de Méni était en route. Mais enfin, on a continué les essais, on a cherché, et très vite, Gaumont a trouvé un appareil projecteur, car enfin la grande invention c'est la projection, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, on continuait à prendre dans les rues des scènes de rue, des petites choses arrivées en gare, etc. Et moi, j'étais fille de libraire et j'adorais la lecture, j'avais beaucoup lu, j'avais fait un petit peu de théâtre. De plus en plus rare aux États-Unis. On leur fait alors des offres intéressantes. Mais n'aimant pas les méthodes des grands trusts qui, selon grand-mère, frôlaient parfois la malhonnêteté et l'intimidation, ils refusent des associations qui auraient pu devenir extrêmement lucratives. De toute façon, le travail commun devient de moins en moins possible et grand-mère, ébranlée par l'échec de son mariage, a du mal à se battre sur d'autres fronts. I found the record of the auction. Ça, c'est le livre de l'encan, où sont inscrits des prix qui semblent bien pitoyables aujourd'hui. L'encan de ses biens, quand elle a été obligée de vendre son studio. Lorsqu'à Fort Lee, le studio de mes grands-parents est vendu pour le prix des taxes que les nouveaux locataires ont omis de payer, et que tous les biens de ma grand-mère sont vendus à l'encan, c'est toute sa vie qu'elle voit s'envoler en pièces détachées et à prix dérisoire. C'est ça. Vous avez habité Hollywood aussi, vous êtes allé à Los Angeles? Oui. Vers quelle époque? À Hollywood. Oh mon Dieu, quand est-ce que je suis allé à Hollywood? Je me rappelle vraiment pas très bien. Probablement que grand-mère se rappelait très bien de Hollywood. Mais on la comprend d'avoir essayé d'effacer de sa mémoire cette sombre période de sa vie. Après tout, c'est là qu'elle avait perdu son mari, le cinéma et beaucoup d'illusions. Elle écrit « L'Amérique, dit-on, reprend toujours ce qu'elle vous a donné. » Complètement découragée,
ruinée, je résolus de rentrer en France avec mes enfants. Elle s'établit alors chez sa sœur à Nice et essaie à quelques reprises de se réintégrer dans le milieu du cinéma français. Elle n'a que 49 ans, mais il est trop tard. En France, on l'a oubliée. Elle se dévoue alors entièrement à ses enfants. Tante Simone disait qu'elle avait fait des prodiges pour réussir à élever ses deux enfants sans réelle privation. Elle écrit des petits contes pour enfants et plusieurs textes pour les revues de l'époque, qu'elle signe de différents pseudonymes masculins. Ça, c'est une histoire qu'elle a écrite, destinée aux enfants, qui développe le faux mythe de Ma pour devenir riche et célèbre en tant que productrice de films. De tous les arts, il n'en est probablement aucun dans lequel elles peuvent utiliser aussi splendidement des talents qui sont tellement plus naturels à la femme qu'à l'homme et si nécessaires à sa perfection. Elle a même fait deux fables féministes. Malheureusement, aucune ne semble avoir survécu. Mais on peut néanmoins détecter dans certains de ces films qui ont été conservés un point de vue différent sur le monde. On pourrait même dire un point de vue féminin. Pendant la Première Guerre mondiale, qu'on voit se dessiner les grands trusts qui commencent à s'emparer de petites compagnies et à influencer tout l'avenir du cinéma américain. Mes grands-parents, croyant probablement tous les deux que grand-père saurait mieux naviguer dans cette période d'âpre rivalité commerciale, font de grands changements dans leur vie. Grand-père quitte Gaumont et fonde une nouvelle compagnie, la Blaché Features. Grand-mère, quant à elle, lui cède peu à peu les rênes du pouvoir. Une anecdote prouve bien pourtant que grand-père n'était pas plus prémuni que sa femme dans cette jungle. Sans consulter grand-mère, il vend pour une bouchée de pain les droits d'un film qu'elle vient de réaliser parce que le distributeur l'a convaincu que le film ne vaut rien. Or, le film en question, The Lure, a été un des plus payants au box-office de l'époque. Grand-mère disait qu'un homme doutait facilement du talent de sa femme. Au milieu des années 10, les films sont de plus en plus longs. Grand-mère réalise alors ce qu'on allait appeler des longs-métrages pour de nombreuses compagnies, la Popular Plays and Players, la U.S. Amusement Corporation, la Perret Pictures. Les grands drames la passionnent toujours, mais elle aime surtout les histoires d'amour qui finissent bien. Alors il m'a dit, vous avez obtenu ça? Moi j'ai mis 10 ans pour être naturel auteur. Soyez naturel. Ça semble un conseil tellement évident aujourd'hui, mais pour les acteurs et les actrices de cinéma d'alors, c'était loin d'être évident. À cette époque, ils posaient pour la caméra comme on pose pour un photographe. On les filmait en plan large et ils faisaient de la pantomime. Mais en disant à ces acteurs d'être naturels, Alice Guy pouvait s'approcher pour des gros plans. Elle pouvait montrer un mouvement du corps, une expression. Be natural. Soyez naturel. Avec ces deux mots tout simples, Alice Guy Blaché a transformé à jamais la façon de jouer au cinéma.
Mamie remplissait son scrapbook d'articles de l'époque, même les critiques négatives. Mais elle faisait plus ou moins confiance aux critiques. Elle préférait se mêler aux spectateurs pour entendre leurs réactions. As for the articles about her, Mummy said they were. C'est comme les articles écrits à son sujet. Elle disait qu'elle avait souvent appris des choses très étonnantes sur son passé, sa famille et ses débuts, tirées directement de l'imagination de certains journalistes. Mais elle détestait les faussetés. Et quand il s'agissait de textes écrits, elle corrigeait les erreurs et commentait dans la marge. Si elle était ici, elle aurait sûrement beaucoup à dire sur ce que je raconte. Les universitaires se sont intéressés très tôt à Alice Guy Blacher et ils l'ont invitée à donner des conférences. Comme elle avait été pendant 17 ans la seule femme cinéaste au monde, elle était un peu un objet de curiosité. Alice était en faveur du droit de vote pour les femmes. Dès 1912, elle avait dit au reporter d'un journal que les femmes étaient prêtes pour ça. Une des premières grandes actrices créées par le Star System a été Olga Petrova. Très populaire dès 1915 et dans les années 20, mais complètement oubliée aujourd'hui. Fait presque unique dans l'industrie cinématographique d'alors, elle était féministe. Elle n'acceptait que les rôles de femmes fortes, chirurgienne, docteur, intellectuel. Alice Guy Blacher a dirigé Petrova pour la première fois en 1915 dans La Tigresse. Elles ont ensuite fait 4 autres films ensemble. Ça devait être une collaboration formidable. Je me souviens, au milieu des années 70, quand l'autobiographie d'Alice Guy Blacher est parue, Madame Petrova m'a écrit une lettre fascinante sur ce qu'était le travail avec la réalisatrice. Comme je ne connaissais rien, ni à la mise en scène, ni au metteur en scène, la question du sexe du cinéaste ne m'effleura pas. Si je m'étais posé la question, je me serais dit qu'un businessman aussi malin que le producteur Weber n'allait pas risquer de miser sur une néophyte comme moi s'il n'était pas sûr de la compétence de Madame Blacher. Pendant les répétitions et pendant le tournage, elle ne perdait ni sa dignité ni son calme. Elle avait une main de velours, même si elle était capable de poigne si le besoin s'en faisait sentir. Je ne l'ai jamais entendue hurler dans les mégaphones. Elle obtenait des meilleurs résultats en se faisant obéir et respecter de ses artistes. J'ai eu le frère de Capellani qui était au Français. Et j'avais mis dans mon studio des notes partout. Soyez naturels. C'est tout ce que je leur demandais. Alors il m'a dit, vous avez obtenu ça? Moi j'ai mis 10 ans pour être naturel au théâtre. Soyez naturels. Ça semble un conseil tellement évident aujourd'hui. Mais pour les acteurs et les actrices de cinéma d'alors, c'était loin d'être évident. À cette époque, ils posaient pour la caméra comme on pose pour un photographe. On les filmait en plan large et ils faisaient de la pantomime. Mais en disant à ces acteurs d'être naturels, Alice Guy pouvait s'approcher pour des gros plans. Elle pouvait montrer un mouvement du corps, une expression. Be natural. Soyez naturel. Avec ces deux mots tout simples, Alice Guy Blacher a transformé à jamais la façon de jouer au cinéma. Mamie remplissait son scrapbook d'articles de l'époque, même les critiques négatives.
mais elle faisait plus ou moins. Ce nouvel emploi qu'elle vient de décrocher la remplit de joie. Elle est jeune et la vie s'ouvre devant elle, pleine de promesses. J'étais à ce moment-là secrétaire de la Maison Gaumont et Doménie, qui, comme vous le savez, est un des précurseurs, est arrivé à la maison présentant un appareil. Et Gaumont, qui était un homme de science, a tout de suite reconnu la valeur de cette invention et il a mis en marche une fabrication. Malheureusement, pendant que nous faisions ces préparatifs, les frères Lumière sont venus nous faire une visite. C'était eux-mêmes des amis de la maison. Et j'étais dans le bureau, et par courtoisie, ils m'ont invité eux-mêmes à assister à cette séance. Et nous sommes allés à une société qui était, je crois, la société d'encouragement aux sciences. Et là, nous avons trouvé les Lumière qui avaient tendu un drap et qui tournaient un petit appareil. Et nous avons vu sortir ce que vous connaissez, qui est classique, c'est-à-dire les sorties de leurs ateliers. Nous sommes revenus enthousiasmés de l'invention, mais très déconfits, puisque déjà le cinéma de Méni était en route. Mais enfin, on a continué les essais, on a cherché, et très vite, Gaumont a trouvé un appareil projecteur, car enfin la grande invention c'est la projection, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, on continuait à prendre dans les rues des scènes de rue, des petites choses arrivées en gare, etc. Et moi, j'étais fille de libraire et j'adorais la lecture, j'avais beaucoup lu, j'avais fait un petit peu de théâtre d'amateur et enfin, il me semblait qu'on pouvait faire mieux. Et j'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Il m'a dit, oui, c'est une affaire de jeune fille, en effet. Eh bien, mon Dieu, vous pouvez essayer, mais à une condition, c'est que votre courrier n'en souffre pas. C'était des scénarios que vous écriviez vous-même? Ah oui, c'était même pas des scénarios à ce moment-là, c'était des petites histoires que je fabriquais comme ça, n'est-ce pas? Et quelles étaient ces histoires? La paix aux choux, c'est l'histoire de deux amoureux qui ont envie d'avoir des enfants. Donc, ma mère et moi y vivons. D'ailleurs, grand-mère souffre de cette distance. Elle veut réunir de nouveau la famille. Malgré de multiples efforts, elle ne réussira pas non plus à faire éditer son autobiographie de son vivant. Elle sera publiée plusieurs années après sa mort. Elle a essayé de la faire éditer pour ce que c'était, c'est-à-dire simplement des souvenirs de la première partie de sa vie, avec quelques esquisses très peu développées de la dernière partie. Elle a tenté de la faire éditer à plusieurs reprises, mais chaque fois, on lui a fermé la porte au nez. Il me semble me souvenir que Tante Simone était fâchée de ça. Oh, ils ont été très cruels. Même si elle avait beaucoup publié dans des revues, elle n'était pas habituée de négocier avec des éditeurs de livres. Plusieurs d'entre eux lui disaient être très intéressés à la publier, puis ils lui demandaient beaucoup d'argent. Pour la publier, ils lui demandaient de l'argent à elle? Tu sais, ça aurait été une publication à compte d'auteur, mais elle était bien trop fière pour ça. Alors elle essayait quelqu'un d'autre. Et ça s'est produit plusieurs fois. Et malheureusement, chaque fois, c'était très long. Le petit manège entre l'éditeur qui se disait intéressé et ta pauvre mamie qui attendait dans les coulisses.
Monsieur Victor Bashi, qui a récemment écrit un livre sur ma grand-mère, dit que, malgré toutes les difficultés qu'elle avait rencontrées, elle n'était pas amère. Elle ne réclamait qu'un seul titre, celui de première femme cinéaste au monde. Titre incontestable, elle a été la seule femme cinéaste pendant 17 ans, mais qu'elle a dû défendre de nombreuses fois, autant en Europe qu'en Amérique. Grand-mère et tante Simone reviennent définitivement aux États-Unis en 1964. Après quelques attaques, grand-mère meurt dans une maison de santé le 24 mars 1968 à l'âge de 95 ans. Elle, qui avait eu une mémoire extraordinaire jusque-là, allait tout oublier. Sa vie de cinéaste comme son propre nom. Elle le gros studio des États-Unis. Nous avons acheté un terrain à Fort Lee, dans le New Jersey, qui était la grande cité du cinéma à l'époque. Oui, Hollywood n'avait pas encore du tout de développement. Ah non, du tout, voilà. Du tout. Tout se passait près de New York, oui, dans New Jersey. Hollywood était encore une ville où sur les portes, on mettait ni chien ni cinéaste. C'était avant que les restrictions énergétiques dues à la guerre poussent les studios à faire un exode vers l'ouest et à s'installer à Hollywood. Ma grand-mère semble avoir été beaucoup aimée par les gens qui travaillaient avec elle. Elle amenait ses enfants au studio et mangeait avec son équipe. Tout le monde faisait partie d'une même famille. Elle n'était pas seulement appréciée pour sa gentillesse, mais aussi pour ses talents de meneuse et sa grande compétence en cinéma. Régulièrement, elle partageait ses connaissances techniques acquises à Paris avec ses directeurs photo américains. Elle était une référence dans le milieu cinématographique de l'époque. Les premiers critiques de cinéma ne tarissaient pas d'éloges sur les mérites artistiques d'Alice Guy. Il louangeait ses décors, le fait qu'elle tournait en extérieur. Rien ne semblait au-dessus de ses forces. Après tout, elle avait bâti son propre studio. Ce n'était pas grand-chose pour elle de faire creuser des tranchées ou de dresser des animaux sauvages. Il n'y avait aucun défi que cette femme extraordinaire ne pouvait pas relever. Tout semblait lui réussir. Alice Guy Blaché s'évertuait à réaliser des scènes de plus en plus spectaculaires, des cascades de plus en plus difficiles. Elle connaissait ce que le public voulait, ce que les critiques de l'époque appréciaient dans ses films. C'est très difficile pour nous, le public contemporain, de remonter 80 ans en arrière et de comprendre à quel point ces films semblaient raffinés au public d'alors. Il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de cascadeurs à l'époque. Les acteurs, les actrices faisaient eux-mêmes leurs cascades. On demandait aussi à des acteurs. C'est pendant la Première Guerre mondiale qu'on voit se dessiner les grands trusts qui commencent à s'emparer de petites compagnies et à influencer tout l'avenir du cinéma américain. Mes grands-parents, croyant probablement tous les deux que grand-père saurait mieux naviguer dans cette période d'âpre rivalité commerciale, font de grands changements dans leur vie. Grand-père quitte Gaumont et fonde une nouvelle compagnie, la Blaché Features. Grand-mère, quant à elle, lui cède peu à peu les rênes du pouvoir. Une anecdote prouve bien pourtant que grand-père n'était pas plus prémuni que sa femme dans cette jungle. Sans consulter grand-mère, il vend pour une bouchée de pain les droits d'un film qu'elle vient de réaliser parce que le distributeur l'a convaincu que le film ne vaut rien.
Or, le film en question, The Lure, a été un des plus payants au box-office de l'époque. Grand-mère disait qu'un homme doutait facilement du talent de sa femme. Au milieu des années 10, les films sont de plus en plus longs. Grand-mère réalise alors ce qu'on allait appeler des longs-métrages pour de nombreuses compagnies, la Popular Plays and Players, la U.S. Amusement Corporation, la Perret Pictures. Les grands drames la passionnent toujours, mais elle aime surtout les histoires d'amour qui finissent bien. Pourtant, son histoire d'amour à elle n'allait pas finir aussi bien. Grand-père, touché par le démon du midi, est un beau jour parti pour la Californie avec sa principale interprète. Pendant un moment, elle le rejoint à Hollywood. Et l'intimidation, il refuse des associations qui auraient pu devenir extrêmement lucratives. De toute façon, le travail commun devient de moins en moins possible et grand-mère, ébranlée par l'échec de son mariage, a du mal à se battre sur d'autres fronts. I found the record of the auction. Ça, c'est le livre de l'encan, où sont inscrits des prix qui semble bien pitoyable aujourd'hui. L'encan de ses biens, quand elle a été obligée de vendre son studio. Lorsqu'à Fort Lee, le studio de mes grands-parents est vendu pour le prix des taxes que les nouveaux locataires ont omis de payer et que tous les biens de ma grand-mère sont vendus à l'encan, c'est toute sa vie qu'elle voit s'envoler en pièces détachées et à prix dérisoire. C'est ça. Vous avez habité Hollywood aussi, vous êtes allé à Los Angeles? Oui. Vers quelle époque? À Hollywood. Oh mon Dieu, quand est-ce que je suis allé à Hollywood? Je me rappelle vraiment pas très bien. Probablement que grand-mère se rappelait très bien de Hollywood. Mais on la comprend d'avoir essayé d'effacer de sa mémoire cette sombre période de sa vie. Après tout, c'est là qu'elle avait perdu son mari, le cinéma et beaucoup d'illusions. Elle écrit « L'Amérique, dit-on, reprend toujours ce qu'elle vous a donné. Complètement découragée, ruinée, je résolus de rentrer en France avec mes enfants. » Elle s'établit alors chez sa sœur à Nice et essaie à quelques reprises de se réintégrer dans le milieu du cinéma français. Elle n'a que 49 ans, mais il est trop tard. En France, on l'a oubliée. Elle se dévoue alors entièrement à ses enfants. Tante Simone disait qu'elle avait fait des prodiges pour réussir à élever ses deux enfants sans réelle privation. Elle écrit des petits contes pour enfants et plusieurs textes pour les revues de l'époque, qu'elle signe de différents pseudonymes masculins. Ça, c'est une histoire qu'elle a écrite, destinée aux enfants. Qui développe le faux mythe que les loups poursuivent les gens en traîneau et qu'il faut leur lancer quelqu'un pour les distraire.
Nice. Malheureusement, aucune ne semble avoir survécu. Mais on peut néanmoins détecter dans certains de ces films qui ont été conservés un point de vue différent sur le monde. On pourrait même dire un point de vue féminin. Pendant la Première Guerre mondiale, qu'on voit se dessiner les grands trusts qui commencent à s'emparer de petites compagnies et à influencer tout l'avenir du cinéma américain. Mes grands-parents, croyant probablement tous les deux que grand-père saurait mieux naviguer dans cette période d'âpre rivalité commerciale, font de grands changements dans leur vie. Grand-père quitte Gaumont et fonde une nouvelle compagnie, la Blaché Features. Grand-mère, quant à elle, lui cède peu à peu les rênes du pouvoir. Une anecdote prouve bien pourtant que grand-père n'était pas plus prémuni que sa femme dans cette jungle. Sans consulter grand-mère, il vend pour une bouchée de pain les droits d'un film qu'elle vient de réaliser parce que le distributeur l'a convaincu que le film ne vaut rien. Or, le film en question, The Lure, a été un des plus payants au box-office de l'époque. Grand-mère disait qu'un homme doutait facilement du talent de sa femme. Au milieu des années 10, les films sont de plus en plus longs. Grand-mère réalise alors ce qu'on allait appeler des longs-métrages pour de nombreuses compagnies, la Popular Plays and Players, la U.S. Amusement Corporation, la Perret Pictures. Les grands drames la passionnent toujours, mais elle aime surtout les histoires d'amour qui finissent bien. Pourtant, son histoire d'amour à elle n'allait pas finir aussi bien. Grand... Les Anglais ne sont pas très sympathiques. Alors... Grand-mère avait beau être très ouverte et exceptionnellement avant-gardiste dans son travail, elle restait très victorienne et très 19e siècle dans d'autres domaines. Elle avait notamment certains préjugés assez tenaces qu'elle réussissait heureusement parfois à surmonter. J'ai dit à Gaumont, j'allais me marier, j'ai une surprise. Alors il m'a dit, mais moi je vais vous en faire une autre, je vais vous envoyer en Amérique pour représenter Parlant. Parce qu'il avait déjà choisi Blaché pour aller représenter Parlant. C'est ça. Alors vous êtes allé habiter? Alors nous sommes allés en Amérique. Alice écrit qu'elle quittait le cœur gros, sa famille, son pays, persuadée qu'elle abandonnait pour toujours son beau métier. L'Amérique de l'époque ne plut pas tout de suite à ma grand-mère. Elle ne parlait pas la langue, elle n'avait pas d'amis, et même le cinéma était très différent de ce qu'elle connaissait. Aux États-Unis, raconte-t-elle, c'était encore les kinetoscope parlors qui fleurissaient. Il ne s'agissait pas de projections, mais d'appareils dans lesquels se déroulait un film sans fin et qu'une seule personne à la fois pouvait regarder à travers une lentille grossissante. Gaumont est venu, il a arrangé les choses, il a acheté ce petit studio à Flashy, à Long Island, et il a commencé, il voulait faire du parlant justement, du chant, etc. Et il en a chargé mon mari. Moi,
J'ai aidé, mais enfin, je n'étais pas du tout son employé, heureusement, parce que je n'aurais pas pu commencer. Après un court séjour à Cleveland, c'est à Flushing, près de New York, qu'ils s'établissent. Quelques mois plus tard, délaissant la création pour la procréation, grand-mère met au monde son premier enfant, Simone. Après 2 ans dans le rôle d'épouse à la maison et de nouvelle mère, grand-mère s'ennuie du cinéma. Tante Simone a tout juste 2 ans quand elle décide de revenir à la production cinématographique. Le 7 septembre 1910, elle fonde son propre studio, la Solax.